Salut à tous, c'est Nocturnax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire du unboxing. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre petit unboxing. Le voici. Donc c'est fait par Degustabox. Donc comme vous le découvrez, hein, c'est fermé. Ah, à part ce côté-là, il vient de céder. Vous voyez, c'est fermé. Hein, je vais découvrir avec vous. Petit couteau, sympathique. Hop, voilà. Bon alors, voyons voir ce qu'on a dedans. Ouais, ça se présente comme ça. Vous l'ouvrez. Donc alors, voyons. Oh, ça c'est pour moi ça. Oh, c'est sympa. On ira voir en détail en fin de vidéo pour ceux qui s'intéressent. Donc là il y a ça. 50% de réduction sur des chips. Apparemment on va avoir des chips dedans. Du coup, je mets ça sur le côté. On verra tout à l'heure. Je vais décaler un peu la boîte pour vous. Voilà. Du coup, nous avons en premier. Ça ressemble à des madeleines. Des madelons. Extra moelleux. Nous avons une barre de Bounty. C'est mix coconut. Ça, ça va être bon aussi, ça. Nous avons des chips. Pommes de terre de France. Bah, ben heureusement, ça, ils ont marqué France. C'est des simples. C'est pas des saveurs quelque chose, c'est des simples, apparemment. Ah non, OCEP. Ok, en gros. On est. Qu'est-ce que c'est que ça? Pizza? Ils sont sérieux, ils nous ont foutu une pizza là-dedans? Ah non! C'est des bonbons. Petit sachet de bonbons sympathique, forme de pizza. Ouais. C'est original. Et du coup, il y avait ça dessus. C'est pour ça que je ne comprenais pas le lien entre ça et la pizza. Bon, bref. On a, d'accord, du quinoa riz complet et quinoa épicé. Je vais regarder un peu piquant ça. C'est un l'air d'un plat préparé. Je vais vous donner un peu. Voilà, je vous montre. Voilà. Deuxième paquet de madeleine. Ça, ça tombe pas bien. Ça en fera plus. Du Capri-Sol, c'est un peu lourd ça. Il y en a 5 fois 200 ml. Capri-Sol tropical. Ouais. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Que ça va être bon ça. Regardez, je vous montre un petit peu. Regardez. Ah, non, on va regarder trop. Vous envoyez trop, c'est trop. Hein? Des maltes erreurs. Ça, ça va être bon, ça. On a... Ça va être bon aussi, ça. Et je vous montre. Pomme, pêche, cranberry. Petit yaourt. Sirop de fleurs de coco. Ouais. Il y avait différents parfums disponibles et nous on a reçu celui à coco. Ça dépend, ça varie d'une boîte à une autre. Et non, mais chaud. Ça va, c'est bon quand même.
Et pour finir, des pâtes. Dans cette délice au blé complet de chez Lustre Cru. Alors je tiens à préciser quand même que la vidéo n'est absolument pas du tout sponsorisée. Et que je fais ça par plaisir. Et voilà, du coup je vous montre que la boîte, elle est bien vide. Il n'y a rien dedans. Vous voyez, c'est totalement vide. Du coup, on dégage. On dégage. Et on dégage. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du coup, il nous montre l'arrière de la pochette. Il nous montre ce qu'il y a dedans. Par contre, pourquoi ils nous mettent un truc de bière alors qu'il n'y en a pas? Un enfoiré. Du coup, voilà, je vous montre quand même ce que ça montre en détail. Du coup, ils nous disent au prix présenté, ouais, les chips 1,49€, les madeleines, il y en a pour 2€, les compotes, il y en a pour 2,29€, les graines là, 2,49€, ainsi de suite, ensuite de suite. Je vous laisse voir avec plus de détails. Voilà, voilà. Et voilà. Et donc le produit du mois, c'est les Malteser à 2,45€. Donc là, il nous donne une préparation à faire. Je vous laisse la préparation si vous voulez la faire chez vous, si vous en avez. Pareil, une préparation aussi. Si vous avez l'autre version. Voilà. Ça, j'aimerais bien l'avoir eu. Il y en a pas. C'est dommage. Et l'autre, du coup, je vous le remontre aussi, c'est l'offre de fidélité Body Chips. C'est bizarre. Donc, je rappelle que ça n'est pas du tout sponsorisé. Et que, du coup, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Je vais vous l'étaler un peu mieux. Et les madeleines, voilà, tout ça. Tâcher les madeleines. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu, me dire si vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo. C'est tout pour moi. C'était Nocturnax. Ciao tout le monde !